Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Après la carrière manager, je vous l'avais promis, je lancerai ma carrière joueur. Le petit setup, la petite configuration, c'est qu'on est avec Max. Ça va? Ça va. Vu que t'es là, en plus tu vas monter la vidéo, c'est bien vu que ça va être long le début. Hein. Le début les gars, c'est tout le temps long. Mais il y a un moment donné, je vais m'en aller. C'est pas grave, faut que tu suives quand même. C'est long et chiant les gars. Et le début, parce qu'en fait je comprends rien. Comme la carrière manager, je comprends rien au début, donc voilà, je suis un peu perdu. Après ça ira mieux, mais le premier épisode, on va tout simplement réécrire l'histoire de ma carrière de footballeur. Je vous le rappelle, à 11 ans, j'ai été licencié du GF38 parce que j'étais nul à chier. Mais vraiment, j'ai été nul. Et aujourd'hui, je vais réécrire mon histoire. Mon but, les gars, commencer en pro au GF38 et finir à la Juventus de Turin, les gars. Non, arrête avec ce club. Comment ça, arrête avec ce arrête club avec ce j'ai club. Pas pris un carré manager. Arrête avec ce club. Change de club, frère. On non. en a marre. Non, non, non. On en a marre. C'est mon objectif, les gars. Donc aujourd'hui, on va débuter ma carrière joueur, ma toute première carrière joueur sur un FIFA. Je sais pas du tout comment il se passe ce mode de jeu. On est parti. Frérot, c'est ma toute première carrière joueur pro sur un jeu FIFA. Bien sûr, on va créer un nouveau joueur. Là, celui qui me ressemble le plus, je dirais que c'est lui. Hein. Abusé, ouais, quand même. Il me ressemble un peu. On va prendre lui, les gars. Bon, on va le modeler. On se retrouve quand on l'a modelé. Bon, les amis, on est vraiment une heure plus tard. Non, 30 minutes plus tard. Et on a fini la création de mon pro. Je vous présente, du coup, pour cette saison, Soy. Le Groyot, je suis le Groyot. On l'appellera le Groyot durant toute cette saison. On lui a mis des lunettes forcément, pas le choix. On l'a mis à 1m74, 86 kg. 1m73, 87 kg. J'ai essayé de faire pareil que moi. On lui a fait une coupe dégueulasse, sachez-le, dégueulasse. Mais c'est fait exprès. En fait, j'espère qu'on va step up et on va tout simplement évoluer et changer de coupe de cheveux, de barbe. On va se faire pousser le trou dans la barbe. Voilà, c'est tout plein de choses. C'est ma carrière, les gars. Et on est parti maintenant pour la suite. J'ai jamais fait de carrière pro. Donc, on va découvrir. Alors, la Juventus, il me propose tout de suite. Non, je suis désolé. Ça va être Grenoble. Hein. On va chez Grenoble, Max. T'en dis quoi? Bah, vas-y, go. On commence dans notre pays, chez nous. Go, go, go. Allez, France, Ligue 2. Il y a la nationale, il n'y a pas. Hein. Écoutez, tu sais qu'ils montaient déjà 11 ans et je retourne chez eux. Là, c'est comme si je réécrivais l'histoire. Là, je réécris l'histoire, la famille. Il y a du boulot, frérot. Il y a du boulot. Niveau difficulté match, les gars, vu que j'ai jamais joué en solo, tu sais, je vais jouer avec le solo que moi. Mm-hmm. C'est quoi le mieux? Moi, en carrière manager, je suis en légendaire en ce moment. Peut-être un niveau en dessous, champion. Vous en dites quoi? Tu sais, c'est toi qui vas devoir gérer tes appels et tout, machin. Peut-être. Avec la vue première. Être champion alors. Donc c'est toi qui vois. Légende, champion c'est trop facile. Ah ouais. En vrai champion c'est bien. Après on peut. Tu peux la changer en cours de jeu. Ouais après on peut. Vas-y go en vrai. Hein. Tu peux la changer en cours de si jeu. Si on peut changer en cours de jeu, on part en champion. Durée de période. Je vais mettre 4 pour le début, après on verra si c'est trop long. Compétition européenne activée, de toute façon on risque pas d'en faire. Mercado T soupe, ok. On est bon les gars, continuez. Nouveau début, les stars, la foule, l'intensité d'un match. Voir le casque Max, oh là 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 là. La cam. Il va y avoir des... La cam, on va la laisser là pour l'instant. Hein. Il va peut-être y avoir des cinématiques, les gars. Alors, je m'entraîne. C'est mon premier entraînement, c'est ça? Tout simplement, peut-être ce moment pour accueillir les nouveaux Knoubres qui nous rejoignent. Je suis trop moche. Donc, donnez tout ce que vous avez. Mais... Et vous aurez une chance. Oui, dis-moi. La tête par défaut, là, du coach, je l'ai déjà vu quelque part, ça. Ah, je sais pas, j'ai pas fait attention à lui, là. Non, à gauche. J'ai pas fait attention. Oh frérot, j'ai une dégaine, les gars. Normal, il montait. Oh, les lunettes teintées. Amigo, c'est à toi maintenant. Vas-y, le son, s'il te plaît. Y a pas de son, les gars. J'entends rien. C'est pas le son, il est pas fort. Décision. Pendant la saison, vous pourrez participer à de nombreuses activités qui définiront votre style de vie en dehors des terrains. Oh, on va pouvoir faire du shopping. C'est ça que je t'ai dit. Faudrait que je change de coupe et tout. Dépensez votre salaire chèrement gagné pour vivre dans le luxe ou améliorer vos compétences. Pensez à faire don de vos gains aux causes sociales. Vous pouvez aussi investir une partie de vos revenus pour devenir incroyablement riche. Frérot, notre but c'est d'acheter un yacht, hein. Les récompenses, dans certaines activités vous obtiendrez des points de personnalité. Choisissez les activités pour vous aider à définir votre personnalité sur le terrain et en dehors, frérot, pas de soucis. Frérot, c'est à Grenoble. Ouais. Ils vont te payer. Est-ce qu'ils vont te payer même au début déjà? J'espère qu'ils vont me payer, qu'ils vont payer au début déjà. Donc donnez un coup de fouet à votre type de personnalité préférée. Alors, qu'est-ce que je dois faire? J'ai rien à faire, juste à appuyer. Ah, je choisis entre un des trois. Obtenez un bonus significatif vers le type de personnalité virtuose. Solitaire, fiable. Moi frérot, je suis quelqu'un quand même d'assez solitaire dans la vie. Je vais peut-être mettre solitaire pour le début. Donc j'aurai plus de points solitaire que le reste. Activité terminée, d'accord. Jamais joué à ce mode, hein. Je sais pas comment ça va être. Bon, il faut que je fasse quoi alors? Boutique, condition de réserver un cours de danse. Mais j'ai une gueule à faire de la danse. Acheter un trampoline. Déjà, j'aimerais bien acheter un appartement, ce serait cool. Payer les frais de transport. Quoi? Acheter des cravates. Acheter un vélo haut de gamme. Ah ça, je vais en avoir besoin les gars. Faut que je fasse pas mal de vélo, faut que je perde encore un peu de poids.
Faire un don pour les animaux, ça c'est bien. Du coup, à chaque fois que t'achètes un truc, tu gagnes des points quelque part. Une sorte de réputation. Okay. Tu penseras à simuler tes entraînements si tu veux être titu. D'accord. Installer une piscine à la maison. Déjà, est-ce que j'ai une maison déjà? Qui l'a vu la maison? Pas dans l'investissement. On peut pas encore aller dans l'investissement, d'accord. Donc là, pour le moment, je peux rien faire. On est d'accord. En fait, c'est une sorte de réputation en vrai un peu, non? Ouais. Votre rôle dans l'équipe, dans l'optique des matchs, dépend de votre note manager. Commencez en tant que remplaçant et améliorer votre note pour devenir titulaire. Améliorer votre note manager. Essayez d'être sur la feuille de match. Ok. Alors, agent de joueur, il faut que je recrute un agent, Max. Tu veux être mon agent? Bah écoute, je vais recruter celui qui est dans le jeu, c'est mieux. Votre avenir est entre vos mains. Débutez votre parcours en négociant avec des clubs, renforcez votre place dans votre équipe actuelle ou explorez votre chemin pour chercher de meilleures opportunités. Nouvelle saison, nouveau départ. À la fin de chaque saison, votre performance sera évaluée et les clubs avec lesquels vous avez négocié décideront s'ils souhaitent vous recruter ou non. Et objectif, la note globale du club et vos prétentions salariales déterminent la difficulté des objectifs. Le fait d'atteindre ou pas ces objectifs détermine si le club veut vous recruter ou pas. Ça, j'avais vu dans les trailers tout ça. Mon contrat actuel, 6000 euros par semaine. C'est ce que je demande, c'est ça? J'accepte les 6000 euros par semaine. 6000 euros par semaine, frérot. Ça fait 12, ça fait 24 000 euros par mois. Frérot. 24 000, il me donne. Frérot. Ouais. Essaye 10 000. 10 000? Mais si, en fait, si je demande 10 000, ça va augmenter mes trucs à faire, non? Non, frérot. 10 000. Frérot, je suis éclaté au foot pour le moment. Pour l'instant, je suis éclaté. Mon salaire actuel, c'est 1900 euros. Ah, d'accord. Oui, en gros, c'est pour après au fur et à mesure. Au début de chaque saison, vous négocierez votre contrat selon vos performances en championnat en couple. Le salaire hebdomadaire demandé a un impact direct sur les objectifs fixés par le club. Donc actuellement, Grenoble Foot 38, cette équipe adopte un style exigeant physiquement pour ses joueurs. Elle utilise un bloc bas. On est dans une équipe défensive, les gars. La vérité, on a encaissé un but cette saison en Ligue 2 et on en a mis 3, les gars. On est la pire attaque et en même temps la meilleure défense. Elle utilise un bloc bas et saute souvent le milieu de terrain après la récupération du ballon pour alerter ses attaquants puissants. Je fais 1m72, quel ballon je vais récupérer? Bon bref, but créé, 27, match en tant que titulaire, 24%, une victoire facultative, ça devrait le faire, tir cadré, 20, j'espère que ça va le faire, geste technique dribble, 10, ok. Sinon, je peux demander à modifier mon salaire, et en fait, je peux le faire uniquement si j'atteins les objectifs à gauche. Mmh. Ok, bon pour le moment, on va rester comme ça, je pense, ok. Mais votre non, chemin. Mais non. Frérot, là, c'est tout. C'est le moment le plus important, Max, c'est le choix de mon équipe cible. Vous êtes à la recherche d'un transfert vers un autre club à la fin de la saison? Choisissez votre destination et faites en sorte que la transaction aboutisse. Moi, je veux aller à la Juventus de Turin. Mais il faut faire un club avant. Un club tremplin. Moi, je pense qu'il faut aller dans la région Rhône-Alpes, Lyon. Je pense qu'il faut aller pas loin. À 1 heure d'ici, je reste près de la famille, tout ça. Ensuite, Turin, c'est à 2 heures. Donc, il faut que je reste dans les Alpes, t'as vu? Autour des Alpes. Ah, c'est ça ton problème. T'es trop à la maison. Ouais, j'avoue. Moi, ta place, tu sais, je serais allé où? En Espagne? Non. En France? À Lille. Tu sais que c'est un bon club en vrai, je sais pas. Viens à Saint-Etienne. Bah, qu'est-ce que Saint-Etienne? Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu racontes, Saint-Etienne? Mais viens, on va dans un autre pays au pire. On choisit un cible d'un autre pays, genre Espagne. Peut-être Pays-Bas, on essaye de signer à l'Ajax en vrai. Ça peut être cool. Viens à Lens, les gars, oh, j'ai pas envie d'avoir froid. Le sud, faut choisir le sud, je pense. En vrai, on va essayer de faire passer par la Ligue 1. On va essayer de passer par la Ligue 1, un club qui est pas vraiment bon en Ligue 1 en ce moment, mais qui est meilleur que Grenoble. Vas-y, qui? Dis des blases, vas-y, dis des blases. L'Olympique Lyonnais, frérot, ils sont éclatés en ce moment. Je pense que les gars, viser Lyon, là, pour la prochaine, c'est pas mal. Hein. Ah, il reste trop là. Alors, choisissez un club cible que vous vouliez rejoindre à la fin de la saison, les objectifs donnés. Mais après, c'est logique, un mec de Grenoble, généralement, il va être pisté par Lyon ou quoi? Les objectifs donnés par le club dépendront du salaire que vous demandez. OL, cette équipe est très dangereuse sur les ailes. Sa physiologie, c'est d'alerter rapidement ses alliés et créer le sonore en faisant monter les latéraux dès que possible. Donc là, il faut que je réussisse. 1-2-192, titularisation 79%. Mais ça, c'est avec Grenoble que je dois faire ça. Oh, la tête de moi. Après le GF38, ceux qui me mettent une tège. La direction cherche des joueurs de club plus côté que le tien. Quelle tège? Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Qui connaît? Qui connaît? Personne. Qui connaît? Personne ne me connaît pour le moment, mais ils vont voir. Ils vont voir. Bah, du coup, franchement, viens. On tape sur un club de Ligue 1 où c'est possible de faire. Hein. Je pense que t'avais déjà posé tes bagages à Lyon, là, vu comment t'étais à l'aise. Ouais, mais il faut que je réussisse vraiment à Grenoble. L'OM, la tête de moi, c'est plus facile l'OM. Après, il faut que je fasse 49 passes décisives, c'est des malades mentaux. Ça se fait, ça va. Ah, je pense qu'on va essayer. Reste 2 saisons à Grenoble. Allez, au pire, 2 saisons à Grenoble. Je vais quand même mettre Lyon. On verra bien ce que ça dit. C'est mon équipe cible, recommandation. C'est des recommandations de transfert dont vous avez besoin en ce moment. Votre agent écoutera ce qui se dit sur le terrain pour vous aider à prendre les bonnes décisions pour l'avenir. Les gars, on choisit Lyon en équipe cible et on reste à 25 000 euros parce que voilà, il faudra au moins 2 saisons pour y arriver, je pense. Et voilà, on peut changer de toute façon. Brighton. On verra, on changera de championnat de toute façon. Johan attend les recommandations de l'agent, c'est plus réaliste. De toute façon, je peux changer ça. Mais de toute façon, je pense que l'agent, il te proposera d'autres clubs, genre qui s'intéresseront à toi, tu vois. D'accord. Là, je pense que c'est toi qui présentes un intéressement au club. Ok. Je
façonner votre personnalité en menant des activités, en vous entraînant et en disputant des matchs, vous obtiendrez différents types de points de personnalité qui renforceront votre niveau de personnalité. Ok, on va avoir une personnalité dans le jeu, Max. On aurait un style. Oh, je peux gagner des styles de jeu. Ouais, donc c'est ta réputation et tout en fait. Donc chaque nouveau niveau de personnalité vous permet d'utiliser un style de jeu supplémentaire. Je vais être une machine. Il s'agit d'un modificateur qui améliore votre performance sur le terrain. Ok. Type de personnalité et choix des styles de jeu. En fonction de la répartition des différents types de points de personnalité, vous accéderez à différents types de styles de jeu. Les styles de jeu disponibles dépendent de l'évolution de votre personnalité. D'accord. Il est là. Et donc là. Ah, ok, je peux créer déjà deux types de personnalité en gros. T'as des points à gauche. Ouais, je vais dépenser mes points en gros, c'est ça. Allez, emplacement vide, on est parti. Alors, coup de pied arrêté, tir en finesse. Tu dépenses pas de points, non. Si, ça, c'est, j'ai 1500. Je sais pas combien ça coûte. Non, regarde. Ça coûte rien, y a pas de solde ou quoi. Ça, je peux pas les désactiver, donc je prends quoi, tu dis là. Contrôle, c'est important, frère. Et je peux faire les gestes techniques au sol et en l'air, unique. Contrôle. Ah non, ma personnalité, c'est tout ça en fait, je pense. C'est tous les playstyles. Ok, oui, je dis. Voilà, là, tu peux avoir deux playstyles en gros. Ok, d'accord. Et là, je vais mettre tir puissant. T'as quoi d'autre? J'ai technicien, ballon piqué, intuition. Ah, c'est truc fantasque, c'est pas mal. Tir en finesse, coup de pied arrêté, passe incisive, passe longue. Moi, je pense que je mets tir puissant. Donc là, commet moins d'erreurs dans la protection du ballon, il peut partir en dribble plus rapidement avec une plus grande maîtrise. Franchement, c'est pas mal. Ah oui, contrôle, c'est important. Là, c'est bon. On commence comme ça, du coup. Ok, c'est parti. Hein. J'y suis. Oh, regarde. Le Groyo prend de l'envergure. Incroyable, les gars. Le Groyo aura à cœur de briller pour son pays et son club. Soy le Groyo a exprimé son ardent désir de défendre les couleurs de son pays. J'ai déjà vécu un rêve de gosse en devenant footballeur professionnel et bien sûr, je ferai tout pour donner le meilleur de moi-même et me mettre au service de l'équipe. Il n'y a rien de plus fort que d'enfiler le maillot de son pays. C'est pourquoi j'espère pouvoir très rapidement taper dans l'œil de mon sélectionneur, indiquer le jeune joueur. Je peux signer en jeune? Enfin, il m'amène dans les équipes, il m'envoie en Coupe d'Europe moins de 20 ans, tout ça, en espoir, genre? Je pense pas. Hein. Bon, on a le calendrier du club, on s'en fout un petit peu. Là, que tu transfères. J'espère qu'on aura le ballon d'or, hein. C'est l'objectif, hein. Donali 11 millions, mais on est dans quel monde? Oui, justement, on est dans quel monde? Alors, agent de joueur. Donc c'est ici en fait, tout ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est ici. Ok, on pourra changer le chemin, on attendra les recommandations. Bon, pas focus que sur un club, sinon ça aurait pas de goût. Bon ben on y va, hein. On avance, hein. C'est parti, continuez. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Un petit entraînement, un amical. Donc tu m'as dit, je reviens dans agent de joueur et je clique sur rien. Il me dit des trucs à droite. Ok, il me disait là, je pense. Je pense qu'on va s'intéresser à toi, je prendrai la température dans d'autres clubs pendant la saison. Pour le moment, concentre-toi et fais de ton mieux. L'entretien de la condition physique, la préparation, les matchs d'intersaison et maintenant la nouvelle saison. Bonne chance, je te souhaite beaucoup de succès. Bon allez les gars, on a peut-être notre premier match amical à jouer. Contrôlez votre joueur pour vous concentrer à 100% sur vos performances lorsque vous contrôlez toute l'équipe. Veillez à ce que votre joueur soit impliqué. En gros, c'est mieux que je mette contrôler votre joueur tout seul. Hein. Disputez tous les temps forts du match ou uniquement ceux qui impliquent votre joueur. Ok, allez au résultat, j'ai trois types de trucs à faire en gros. Moi, je veux faire contrôler le Groyo, hein. D'accord, les gars. Je viens de rentrer. 56e minute. À la place de Bamba. Oh là là. Je suis AD, les gars. Comment ça, il a pas mis BU? Et mec, c'est mes premières minutes. En pro. En match amical. Identifiez les objectifs. Votre manager vous fixera trois objectifs de match à chaque fois que vous entrez sur le terrain. Atteignez les objectifs fixés par votre manager pour améliorer votre statut dans l'équipe. Objectif avancé. Si vous permettez à atteindre le niveau avancé d'un objectif de match sélectionné, vous obtiendrez de l'XP. Ok. Les gars, c'est mes premières minutes. Oh les gars, il est là. Soy le Groyo qui rentre dans un... C'est quoi? C'est le stade des Alpes là ou pas? Ça ressemble pas du tout au stade des Alpes. Hein. Plein à craquer. Alors il faut que je fasse quoi? Faut que je choisisse l'objectif, c'est ça? L plus maintenir A. Bah, cadrer un tir les gars. On va juste mettre cadrer un tir je pense. C'est parti. Pas la bonne cam. Ah on est d'accord. Ouais, je fais ça la caméra pro. Et je vois où mes coéquipiers? Hey, le radar il est à gauche. Oh là là. Oh là là, c'est beau. Oh là là. Oh là là. Oh là. Y'a faute. Vas-y, va marquer. Oh, c'est grâce à moi l'action là. Celui que tu choisis, tu le réussis, tu donneras de l'XP supplémentaire. Donc choisis celui que tu es sûr de réussir. D'accord, Jorginho. Oh, si je marque un but de la tête, les gars, c'est incroyable. Là. Non, centre. Imagine, premier match, tu mets une reprise de volée comme ça. Incroyable. Pom, 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 fallait la mettre celle-ci. Ça va être compliqué, les gars, avec cette caméra de gérer, hein. Super. Oh, super, super. Cours, cours, cours. Oh, c'est beau. 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 Let's go. Mon premier but en pro. C'est mon premier but en pro, les gars. Il est là.
Le gros yo. Faites sa mère. Oh, l'appel, il est incroyable. Voilà les gars. Ça y est les gars, il va me mettre titulaire toute la saison là, je suis exceptionnel. Après on peut mettre que temps fort, c'est peut-être mieux aussi non, vous pouvez me dire. Hein. Après j'ai une équipe les gars, elle est claquée au sol. Hein. Oh, je peux demander un triangle ou c'est comment? Oh, je suis hors jeu. Oh, pas de chance, il faut persévérer. C'est quoi quand j'appuie sur R1 les gars? Il y a un logo sur mon joueur pour les frères pressés. Ah ouais, pour les faire presser, R1, ok. Et L1 c'est pour me replacer... genre au bon poste. Allez frérot, fini. Oh mais frère, il met sa vie. Je peux lui demander de tirer aussi ou pas? Oui, je l'ai. Bon contrôle. Une bonne passe. Oh oui, c'est super yo. Oh oui, c'est super. Non, fais-moi pas la passe tout de suite. Attends que je peux être là. Fallait attendre que je fasse l'appel frérot. Oh, oh, je suis là frérot. Je suis là les gars. Doublé. Pour le premier match amical. On n'a jamais vu autant de supporters pour un match amical à Grenoble. Hein. Sachez-le, le but de la victoire. Pa. Le gros yo. La vengeance sur la vie. Toujours, les gars, croire en soi. Toujours. Boum. Le pied gauche, incroyable. À la dernière minute. Oh, j'avais pas vu, c'est la dernière minute. Dernière seconde du match. Incroyable, les gars. Victoire dans un match amical. C'était contre quelle équipe le match amical, juste? J'ai Zurich. Bah, ça va, c'est une belle victoire, la vérité. Alors, progression joueur. J'ai eu 3 points de récompense, c'est ça? Note manager, 15 objectifs. Ah, j'ai raté un objectif par contre, ok. Progression, note du match 2000, 14 dribbles réussis, 8 passes vers l'avant, d'accord, personnalité. Ah, j'ai gagné des points pour la personnalité également. Note de match, adresser une passe décisive sur un but, d'accord. Les gars, je commence, premier match, je fais 10 de notes. Là, j'ai 71 de général, apparemment. J'ai 3 points de compétence à attribuer. Quelles sont les récompensations de mon... Agent, on vise haut pour ton prochain transfert Olympique Lyonnais. Mais avant ça, on a peut-être besoin d'un tremplin, non? Le match était bien et j'ai vu que tu avais pris du plaisir à jouer. Il faut se concentrer sur les choses positives qui se présentent. Je pense qu'on va s'intéresser à toi. Ça, j'avais déjà vu, ok. Activité, je peux aller faire un truc là? Commenter votre dernière performance. Action, se donner une tape dans le dos, louer ses coéquipiers, continuer à travailler. Je pense que je vais mettre louer ses coéquipiers. Après le match, prenez la parole dans le vestiaire pour souligner l'importance du collectif. Voilà, comme ça, je vais... Voilà, ils seront contents de travailler avec moi, mes coéquipiers. Donc là, j'ai gagné 70 points fiables. Pas mal. J'ai toujours pas assez d'argent pour investir. J'ai que 542 € en compte en banque, les gars. C'est la crise, les gars. Je peux rien faire encore. J'ai 58 000 €, finalement. Il y a écrit 542 € à droite et là, il y a écrit 58 000. Non, je pense que j'ai 52 000 €. J'ai 542 €, je pense. Oh, match amical contre... Ah, j'ai cru Celta Vigo. Contre Ferrol. Entraînement. Je peux passer l'entraînement, les gars? Genre les choisir et simuler en gros. Je vais faire des exercices de frappe cette fois-ci. Hein. J'ai la note D. Mais bon, pas le truc le plus fun les entraînements je trouve. On a un deuxième match à jouer. Et là c'est contre Ferrol à l'extérieur apparemment. Bref, enfin à l'extérieur pas sûr, c'est un match amical, faut voir. Et là pourquoi ici, contrat actuel, j'ai pas commencé à remplir des trucs. J'ai reçu un mail, je sais que tu te concentres sur ta carrière dans ton club. Actuellement je ne me ferai... pas bien mon boulot d'agent si je te rappelais pas qu'il est essentiel d'être convoqué en sélection nationale pour continuer à progresser et peut-être devenir une légende. Le sélectionneur national te voit certainement comme un potentiel joueur international et elle recevra des rapports sur ta progression. D'accord, ok. Les gars, il me fait rentrer à la 56e à tous les matchs. On est parti. Ah, c'est que en Ligue 2 pour les stats. Les amicales, ça compte pas. D'accord. Ah, j'ai envie d'aller en Ligue 2 directement là. J'ai pas envie de jouer les matchs amicaux, mais bon. On rentre, les gars, pour le deuxième match. L'occasion de vous montrer les nouveaux maillots du GF38 cette saison qui sont assez beaux. Les objectifs. Objectif au moins 6,5, je pense qu'on va prendre ça. Hein. Réussir 2 passes, facile à faire. On va faire ça les gars, allez. C'est parti. En fait, j'appuie comment? Maintenir. Ah ok, c'est comme ça, c'est parti. C'est pour qui le corner? C'est pour nous. Oh. Ok, c'est pas grave. Une passe. On met là. En retrait. Oh. Allez, pressé, vous pouvez la récupérer. Allez, pressé. Oui. J'abuse, j'ai demandé la passe alors que j'étais mal placé en vrai. Oh là là, j'abuse. Faut que j'appréhende ce mode de jeu.
Encore une fois, les gars, je fais n'importe quoi. Voilà, enfin une bonne récupération. Là, j'ai fait n'importe quoi encore. Un peu plus compliqué ce deuxième match. J'aurais dû mettre réussir deux passes, les gars, hein, comme objectif. Je joue quel poste? BU, les gars. Allez, fini, fini, fini. Bien joué, frérot. Let's go, la passe décisive. Magnifique, la vista, les gars. Allez, hop, ça, c'est fait. Joue simple, t'as 71, oublie pas. Exactement. Tu veux pas simuler les matchs amicaux après? Ben, c'est la première fois que je joue en carrière, mais ouais, il y a moyen, parce que les matchs amicaux, ça compte même pas dans les stats de la saison, là, ouais. Et on va dégage sur moi. Voilà, super. Petit contrôle. Oh là là, le contrôle. Hop, 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 hop. Oh là 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 là, c'est exceptionnel ce que je suis en train de proposer. C'est exceptionnel. C'est moi qui avais le but. Quoi? Vous marquez pas? Oh, il est joli le but, frérot. C'est grâce à moi ce but. Faut le dire, c'est grâce à moi. Ça compte pas, mais ça va compter pour être titulaire la saison. Ah ouais? Ah, trop bien. Les matchs amicaux vont être comptés si, ouais, si je fais une bonne prépa, quoi. C'est ça la carrière, la vue pro, les gars, la cam pro. C'est elle, on est d'accord. Il n'y en a pas d'autres, hein, c'est vraiment elle. Elle est bien. Moi, j'aime bien, ça change un peu. C'est juste dommage qu'on voit pas les actions du gardien, quoi. Enfin, les actions adverses, genre s'il marque un but ou quoi. Oh, deuxième poteau. Oui, 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 oui. J'ai envie d'enrouler. Ah bah, t'es bien éclaté, mon enroulé. Faut pas que j'oublie que j'ai 71, j'avoue. Je joue dans quelle difficulté, lui? On a mis champion, c'est ça? On augmentera, c'est trop facile, comme d'hab. Comme un car manager, moi, les gars, dès que c'est trop facile, je change la difficulté, je l'augmente. Non, L1, putain. Il est pas con, les coéquipiers. L1 triangle. Ouais. Ah, dommage, il y avait une action de but, là, les gars. Victoire 2-0 et encore décisif pour ce deuxième match. Après, je sais pas, si je suis pas titulaire, on va rester comme ça. Pour rester dans l'équipe, il faut que chaque saison, tu remplisses à 100% les objectifs, sauf les facultatifs. Sinon, ton club t'envoie en prêt ou il te teste dans un autre club, car pas assez à la hauteur, selon eux. Et au max, en gros, même la Juventus, va falloir charbonner sur le terrain. Les objectifs seront de taille. Parfait, les gars, on va le faire. On va le faire. C'est notre but ultime. Je pense pas, Gustavo, on verra. Il y a moyen. On a encore gagné 3 points. Chaque match amical, on gagne 3 points. C'est bien quand même. Je pense qu'on va lui mettre dans vitesse un petit peu là aujourd'hui. Peut-être dans physique, encore une fois, un petit peu plus d'endurance. On améliore petit à petit. Je suis à 2 400 €, les gars. Commence à gagner des thunes, la vérité. Tu es dans le 11 de départ, GG. Ah ouais? Là, je vais jouer le prochain match. Entraînement. Je peux pas les passer, les gars. C'est pas mieux de les passer en vrai. C'est marqué en haut à gauche. Je suis au 11 de départ. Ah, d'accord. Je viens de capter. 11 de départ en haut à gauche. D'accord, ok. Ça y est. Je capte, la famille. Important, les notes des entraînements. Yo, ouais, mais franchement, je trouve pas ça intéressant de fou, moi, les entraînements, la famille. Vraiment, hein. Genre, je fais simuler comme ça, moi. Alors, ça me fait monter dans le 11 de départ, encore une fois. Hein. T'es passé à 72 de gêne. Exceptionnel, je suis. Exceptionnel. Bon, je suis dans le 11 de départ pour la première fois. Je vais faire jouer temps fort. Équipe incarner le groyot. Je vais faire ça, les gars. Tu fais un A, tu simules, tu gardes la note. Fais double Y quand tu refais des entraînements. Vous allez me redire, les gars. On a le ballon, on a toujours le ballon. Ah ouais, mais ça va être chaud les temps forts si ça se passe comme ça à chaque fois. La vérité, 37ème minute maintenant. Ah, je pars en solo. Oh la tête de moi. R9. On n'a pas vu aussi beau début de carrière que celui du groyot. Les gars, j'ai appuyé en triangle pour lui demander la passe en triangle. Du coup, c'est moi qui a fait la passe en triangle. Bon, tant pis, c'est pas grave. La victoire, les gars, les temps forts, c'était rapide. Quoi, on a perdu? Bon, c'est pas grave, on a perdu. Mais j'ai mis un but. Première fois qu'il y a une pépite à Grenoble. Arrêtez! On a sorti Olivier Giroud, Florian Thauvin. Pas d'autre. Ah si! Champion du monde, là. Les Djorkaeff, on a sorti, arrêtez. On s'est pris des buts à la 88e et 89e minute. Lourd, ça fait plaisir ça. Je suis vraiment fier de toi, joueur de la saison, c'est un sacré exploit, tu as mis la barre haut. Comment ça je suis joueur de la saison? Giroud c'est Tours, pas Grenoble je crois. Ah, il a percé à Grenoble ensuite. On va encore l'évoluer, hein. On va lui faire gagner de la vitesse pour de vrai là. Oh les gars, c'est le début de la saison et en plus on commence contre un adversaire pour le titre, le PFC. Tes performances ont vraiment été impressionnantes à l'intersaison, je vais te titulariser pour le prochain match. C'est l'entraîneur les gars. Les choses sérieuses commencent vraiment maintenant, j'espère que tu sauras te montrer à la hauteur les gars. Premier match de la saison en Ligue 2 contre le PFC. On est parti. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent, la famille, vraiment. Messieurs. Oh là là. Je suis sur le...
Le 11, les gars. Je suis dans le 11 type. On va voir ma réaction ou c'est comment? Regardez, je m'approche tout doucement de la feuille. Là. Ah, il est dégoûté, j'ai pris la place de lui. Ça veut dire que j'ai pris sa place. Et là, je vais voir le gros yo. Le gros yo. Le gros yo. C'est trop bien. Let's go. Mon frérot, je sais pas c'était qui par contre. Let's go. Allez les gars, on va jouer le match, bien sûr, premier match de saison. Mais attends, mais j'ai déjà le meilleur général de toute l'équipe. Mais normal, je suis titulaire en fait. Je suis content d'être titulaire, je suis le meilleur joueur de l'équipe en fait. C'est parti. C'est parti les gars pour le coup d'envoi du premier match de la saison en Ligue 2. PFC, GF38. Et bien après, on peut souvent se poser quand on n'a pas le ballon. On peut lire le chat et tout. C'est bien la carrière joueur. Par contre, je suis un bon petit dribbleur. Hein. Là, j'ai envoyé Tcho sur le côté. Tcho, s'il me voit. Bien joué, c'est pas grave. Corner. Ah oui, je suis là. Ok, faut que j'arrête les gars, je crois que je suis Ibrahimovic alors que j'ai 72 de général. Ma parole, regardez-moi cette frappe horrible. Change la caméra, c'est plus facile en diffusion TV. Oui mais les gars, le principe de pro c'est d'être un peu dans l'immersion quoi. Et là je le suis totalement là. Ah mais il a bugué mon joueur, regardez. Il bouge plus. C'est juste dommage qu'on voit pas les buts de l'équipe adverse en fait dans ce mode de, là. Mais non, dégage pas, je suis là. Allez, je suis passé. Je suis passé, y'a quelqu'un au centre ou pas? Oh, y'a quelqu'un au deuxième poteau. Oh, le centre comme il est moche. Oh! Le bon petit coup franc obtenu. Non, pas de blessure les gars. Y'a des blessures dans le mode carrière? Pas de blessure, non. Non les gars, j'ai fait une entorse il y a un mois les gars, j'ai du mal à m'en remettre. Pas d'entorse s'il vous plaît, pas de blessure. Allez, prends-toi un jaune toi. Ah ouais, vilaine faute. Non. C'est moi qui tire le coup franc? Oh là là. Oh les gars. Mon premier coup franc en pro. Il faut que je la mette en pleine Lulu celle-ci. Il faut que je la mette en pleine Lulu. Oh cette caméra là. Je m'en lasserai jamais. Magnifique cette POV arbitre. Hein. Bon les gars, c'est impossible que je le mette. Mais dans la vie, qui ne tente rien n'a rien. J'avais de l'idée. Cherche tes coéquipiers. C'est sérieux là? Si on récupère le ballon, on peut se mettre bien, mais il faut déjà pas concéder de but, c'est bon. Joue avec Calmera Diffusion TV. En fut, ouais, mais là, caméra pro. Faut qu'on le récupère, allez. Allez les gars, s'il vous plaît. Bien joué, Diop. Il est bon, le gardien. Ouais, je vais faire un appel en profondeur. Hein. Super. Par contre, je suis sur mon pied droit. Ah là là. Oui. Non. 84e minute, sérieux, allez. Allez! Bien joué, Diop. Oh, Diop, il a fait un million d'arrêts. Oh! Il m'a sorti! Des débuts compliqués dans ce match, malheureusement. Avec. Enfin, dans ce match, dans cette Ligue 2, titulaire. Pas de but. Et je me fais sortir à la 86e, mais c'est pas grave. C'est que le début. Je simule, bien sûr, la fin du match. Je suis plus sur le terrain. On a gagné! Mais c'est impossible, les gars! 87e, 88e, 89e! Les gars, par contre, je sais pas c'est qui mon remplaçant qui est rentré à ma place, peut-être en bas. C'est bas, il est rentré à ma place et il a marqué les gars, donc ça sent mauvais pour moi quand même pour le prochain match. Hein. La vérité, ça sent mauvais, mais c'est quoi ça? Il y a eu 3 buts, je suis sorti, il y a eu 3 buts. C'était moi le problème en fait. C'était moi, je viens de capter. Les gars, deuxième match de Ligue 2, cette fois-ci, je n'ai pas le droit à l'erreur. On joue contre l'AS Auxerre à domicile. Je me suis fait remplacer par bas, il a marqué au dernier match. Le coach me refait confiance à domicile. C'est l'heure de montrer ce que je vaux. Va voir ton contrat pour Lyon si ça a augmenté. Voilà, je pense pas que ça a augmenté là. Oh, j'arrive avec le survêt du GF. Pas de marque. Ça, on connaît bien ça. Allez. Ah merde, j'ai pas vu les objectifs. C'est quoi les objectifs du coup? Obtenir une note d'au moins 8,5. Oh, ouais, ça va être dur. Oh mon dieu. Qu'est-ce que je fais là? Bonne technique, ils m'ont dit en plus. Incroyable. Je vais rester BU moi. Hop. Je vais arrêter de me soucier de la défense. Récupérez le ballon, les frérots. Vous avez laissé de l'espace tout à l'heure à droite. Ok. Allez. On va remonter un peu le ballon. Donner un peu d'air. Pas vraiment, mais c'est pas grave. Après, on a une équipe de bras cassés, Grenoble. Hein. Pas évident, là, ce qui se passe, là. Je vais rester BU, moi. Là. Oh, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ce que je viens de faire. Oh, y a quelque chose à faire, là. Oh, c'est beau. Oh, c'est quoi, ce centre? Ok. Peut-être, je suis là. Jouer? Je centre ou pas? Je vais centrer. Oh, pourquoi pas? Pourquoi pas, Tio? Pourquoi pas? Pourquoi pas frappe? Bien joué, frérot! La passe D!
Bien joué, frérot. Let's go, les gars. Ah, après, c'est lui qui a tout fait, hein, la vérité. Hein. Ouais, j'arrive pas. Après, je suis pas un relayeur au milieu de terrain. Je sais pas ce que je fais à chaque fois au milieu de terrain, moi. Mais en même temps, on a une équipe, les gars, ils en est trop bas. Baran, je prends ou je garde pour vendre plus tard. Tu peux prendre, je pense qu'il va monter encore. Mais c'est que mon avis personnel, ça n'engage que moi. Super. Va à droite, toi. Va à droite. Par à droite. Par à droite. Boum. Tiens. Ah, bien joué, c'est pas grave. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Fini, fini, fini. Bien joué. Ouh, belle frappe. Vraiment, la difficulté, je trouve, elle est pas mal, ce mode de difficulté. Il est pas si mal, hein. Hop, let's go. Chou, bah tout seul frérot, c'est toi, t'es le crack de... Oh, peut-être. Peut-être. Pff, j'ai essayé d'être altruiste et faire une autre passe, hein. Dommage. C'est censé être le stade des Alpes, ça? Non, je pense pas que c'est le stade des Alpes dans le jeu, il l'appelle pas comme ça. Non, c'est moi qui sors ou pas? Non, c'est bon. J'ai envie d'enrouler d'ici, hein. J'ai envie... Je peux pas. Bah ouais, je peux pas, yo. Arrête de te prendre pour Ibra. Ouais, je... C'est bon, c'est mon moment. Non. J'ai raté le cadre. Et je sors toujours pas, let's go. Oh, le compte favorable. C'est mon moment. Un but et une passe décisive pour le Gloria. Allez les gars, je pense que je vais être titulaire toute la saison du côté du GF38. Je suis un hérin. Oh là là. Un héros. Jordinho, il a dit faire un triangle au prochain but. C'est quoi faire un triangle? C'est une célébration? Boum! Let's go, le pied gauche. Pouf, incroyable. Oh là là. Oh là là. Oh, la fusée! La fusée! Oh! Dommage. En vrai, ce maillot du GF, il est pas vilain. Il est très très beau, le maillot du GF. Bon, allez, on va essayer de mettre un but de la tête. C'est compliqué, je suis tout petit. Mais si je me débarque. Ok, tant pis. C'est bon, les gars. Centre. Let's go les gars, la victoire 2-0 dans ce deuxième match de championnat. Mais on a fait 2 victoires en 2 matchs, du coup 6 points. Et de mon côté, au niveau des statistiques, c'est un but et une passe décisive dans ce début de saison. Le gros yo qui est en train de percer, hein. Du coup, qu'est-ce que je gagne en faisant cette victoire? Il y a le classement également de Ligue 2. On va s'arrêter là, hein, pour l'épisode les gars. Voilà, je suis bien titulaire, tout va bien. On est pas mal là, hein. Ah, je suis content là. Du coup, agent de joueur, qu'est-ce qu'il m'a dit? Le match était bien et j'ai vu que tu avais pris du plaisir à jouer. Il faut se concentrer sur les choses positives qui se présentent. D'accord. Donc là, match titulaire, 100 sur 24% normal. J'ai fait les 2 matchs. Victoire, on a déjà fait le facultatif. But créé, 2 sur 27, c'est bien. C'est très très bien, mais c'est beaucoup 27 quand même. Ça veut dire qu'en gros, il faut que j'ai au moins 10 buts. Et... Enfin, genre 17 passes D, 10 buts. Ou alors 17 buts, 10 passes D. C'est beaucoup quand même. Une de réussie. Ah ouais, les 1-2, par contre, si j'en fais jamais, je pourrais jamais signer à l'OL quoi. Ok. Ah, on me conseille quoi? Recommandation Salernitana, Fiorentina, Stade de Reims, Strasbourg. Ah, intéressant. Il faut que je mette 55 buts. Ouais, c'est en 2 saisons que t'arrives à faire ça en fait. Ah, quoique lui, par contre, la Fiorentina, il y a moyen. Fiorentina, pourquoi pas en vrai? On verra, hein. Activité. Est-ce qu'on peut refaire des activités du coup? On peut acheter. Oh les gars, je peux aller faire un cours de danse et acheter un trampoline. Oh, j'ai toujours rêvé d'avoir un trampoline. Maintenant, les gars, chez moi. J'ai une maison, j'ai un jardin. Un jour, il y aura un trampoline. Dans ma carrière joueur, j'ai déjà mon propre trampoline. Et je gagne de la détente grâce à ce trampoline. C'est incroyable. Let's go. Là, je gagne de l'équilibre avec le cours de danse. D'accord, ça, c'est utile en fait. Et là, je vais quand même continuer à travailler ici. Je vais mettre... Voilà, parfait. Fiorentina, c'est le tremplin pour la Juve. Yo, tu le sais. Ah, comme un certain numéro 7. Pedelico. On est bon là, hein. On verra le prochain épisode si on change de club tremplin. En tout cas, Grenoble, 3ème de Ligue 2. Bah attends, mais ils ont tous 6 points là, les clubs en Ligue 2. Wesh. Il y a 5 clubs qui ont 6 points. Incroyable. Prochain match, on joue contre QVI, c'est ça? QRM. 18ème. Ok. Oh, on peut gagner la Ligue 2, pourquoi pas, hein. Monter en Ligue 1 avec Grenoble, ce serait incroyable. Mon pro, est-ce qu'on peut encore le faire évoluer? Ah, j'ai pas de points disponibles alors que j'ai fait un match de fou. Incroyable. Ok. J'ai acheté un trampoline alors que j'ai même pas d'appartement. Oh là là, faire des cours de yoga, équilibre, ok. Le connaisseur ultime de ce mode carrière joueur. Mais c'était la première fois que j'en faisais de ma vie. Et franchement, je me suis bien amusé avec le gros yo. Si jamais on voit que le niveau de difficulté c'est trop facile, on passe au niveau au-dessus. Mais je trouve que ça va, c'est bien équilibré pour l'instant. À part que la dernière fois, je suis sorti en cours de match. Et enfin, à la 86ème, je suis sorti. De la 87 à la 90ème, il y a eu 3 buts, j'ai pas compris. C'est un peu chelou.
Et on a gagné. Du coup, Grenoble, deuxième de Ligue 2 ou troisième. Ils ont tous 6 points, les autres équipes. On se retrouve bien évidemment bientôt pour l'épisode 2. J'espère que ça vous a plu. Je pense que la plupart du temps, je les ferai peut-être en live, ces carrières, on verra. J'espère que ça vous a plu, les gars. Likez un maximum la vidéo. C'était le Groyo pour vous servir. Ciao, ciao, l'équipe.